Si on rappelle pas. Ah, c'est quoi la question? Je vois si les sujets comme ça. J'attends qu'ils me voient de moi. Coup d'envoi de ce troisième tour de Coupe de France. Ça joue vite du côté de l'ANSS et là la pelouse est bien arrosée. Ça va?
Ça joue où il y a du. Ça joue hein, des deux côtés. Je sens que le baiser des yeux. On a assisté à une nouvelle rencontre. Thank you.
Ce soir, ça va vraiment vite. La défense est bien reprise. Hein. Alors, franchement, c'est un caviar. Hein. Il a trop tardé sur cette action. C'était Gesù Thomas, si je ne comprends bien, qui a raté cette action. Thank you.
qu'on a toujours tapé par un temps, non. Yaron. CB Balagnier sur l'équipe de R2. Mais bon, on dit ça, mais ils ont bien. Qui ouvre le score en premier? Voilà. Et là, tu joues dans quel club? Ok. Yo! Encore 100 personnes, mais à ce rythme-là, ça va bien finir par faire mouche pour ce instant. C'est plutôt une attaque défense. VCB, privé de ballon. Et à talent, il y a un qui obtient un bon coup franc. Attention à ça, t'as vu parfois qu'on me dégage.
personnage a un photo. Franchement, la passe était vraiment vue. C'était passé. Allez, allez, allez.
C'est vraiment beaucoup fort, depuis le tour du score. C'est quadrillé. Et bon. Là, on se met dans le tir. Il n'y a pas vraiment beaucoup de frappe. Hein. Il est plutôt fait techniquement au niveau des passes. Faire des passes décisives en termes de frappe de balle. Après, au niveau du milieu de terrain, Guadeloupe, ils n'entraînent pas assez leur frappe de balle. Ils frappent de loin, surtout parce que franchement, si il y a plus de milieux qui étaient capables de frapper de loin, au lieu toujours de chercher à se rapprocher, ça créerait de plus grosses variantes au niveau du jeu. Et ça poussait aussi aux défenses. Ça obligeait les défenses à sortir plus, mais. Et voilà, justement. Moi, j'imagine mal aussi bétonnier tout le match, toute la première mi-temps sans encaisser de but. Ils étaient trop dominés. Thank you.
Décidément, il m'a écouté. Hein. Voilà, c'est pas vraiment une frappe de moins loin, mais de 40 mètres. Un petit peu fort, hein, sur le bonheur, quand même. Il fallait décrocher un peu plus, peut-être. Mais si vous, pour l'instant, vous voulez qu'il soit plus performant en contre-attaque parce que ça mène au score ou non. Est-ce que c'est la capacité de contrer? Ça, je ne sais pas. Il va falloir se créer des contres dangereux parce que contenir la SS comme ça quand le match. Si continue à rater, ok. Et sinon, il y aura un score faible. On a la demi-heure de jeu.
Manchester, là, pour l'instant, ils ont le pied sur le ballon, ils font que circuler. Ah ben, ils ont fait des mentirs. D'abord, si le CB est capable de tirer la tête un petit peu dans ce match. Capable de déranger un peu le champion en titre. Avec les moyens du bord, bien sûr. Parce que les deux effectifs ne sont pas les mêmes. Thank you.
surpris, ça passait tout seul, ça m'étonne. Il fallait être technique hein, pour que ça passe. Technique et rapide. Ah, par contre, il a gâché tout. Toute la progression de son équipier. Troisième but pour la solidarité scolaire. Marqué par Aton Yaron. Oui, ça t'a pas le bon temps du jour, non? De mettre un but pour l'honneur, essayer de proposer quelque chose d'autre, un peu plus pour les joueurs de Bananier qui jouent à domicile aussi.
après, le problème, c'est que quand on contient, il faut savoir se projeter vite vers l'avant, mais c'est le problème, ils ne prennent pas assez de risques. À la perte de la balle, on voit qu'ils ne sont pas habitués à jouer comme ça. C'est la mi-temps. Ici, il y a Capesté au vélo. Le mot magique, c'est la famille. En fin de compte, nous sommes en famille. Le The Big Beach Soccer, c'est une histoire qui a commencé en 1999. La Coupe des plages, qui était parrainée par France Football, on va le dire, parce que c'était eux. Donc le Beach Soccer est né en Martinique avant la Guadeloupe. C'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amour. Pour la 21e édition, ce sera la dernière édition départementale, parce que nous passerons ensuite en international. La CONCACAF nous suit et nous sommes la première nation de beach soccer au niveau des Antilles et de la Caraïbe. En tout cas, nous rêvons et nous espérons devenir champions du monde de The Big Beach Soccer, de beach soccer, et que la Guadeloupe soit une destination incontournable du beach soccer. Présente André Lubin-Garry, un fervent créateur du beach soccer en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, nous allons assister à The Big Beach Soccer qui va se dérouler sur la plage du Moule à l'autre bord. Donc organisé par MFK, l'équipe locale du Moule, Moule Football K, avec son président Jude Nono. C'est du football de sable, le football de playa, ça vient du Brésil. La différence entre le beach et le foot, c'est que déjà, le ballon, il est un peu plus léger avec une texture qui est adaptée
pour ne pas faire mal aux pieds. Donc le beach, c'est beaucoup de technique, de jeu en l'air, une maîtrise technique incroyable et beaucoup d'endurance et de cardio, c'est très important.
Thank you.
À tout le temps. Après des moments, je suis en Guadeloupe, on s'en prend un petit peu trop, j'essaie d'être créatif. Et tout. Moi, je préfère voir des joueurs qui essaient d'être créatifs sur le terrain, qui proposent quelque chose, même s'ils ratent. Déjà pour le spectacle, c'est beaucoup plus agréable. Peut-être que ça aurait été ma philosophie de jeu si j'étais entraîneur. Mais de moment. Voilà quoi, les dribbles, ça fait partie du foot. Hein. Alors, il y a des moments où on peut s'enfermer, mais. Ça peut être souvent une solution. Ça se voit qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer des adversaires aussi difficiles. Déjà, premier changement pour la SS. Thank you.
C'est peut-être trop en retrait là. C'est pas aussi d'aussi loin. Collectif, mais bon.
L'initiative de casser les lignes, c'était bien, mais malheureusement, c'est vrai, il faut être lucide après, dans la dernière passe. Je ne vais pas tenter ça tout le temps. C'est le pressing de la SS. Je mets vite en difficulté. Bonifier son effort. Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Ils devraient jouer, les autres jouent vers l'avant, vraiment. Là, ils ont carrément ramené la solidarité scolaire dans leur camp. Je sais pas pourquoi ils ont joué comme ça. J'étais là, vite, j'ai été Clément. Je sais pas si elle va m'en mettre. Mais... la boue. Faites la boue. Ça m'étonne de voir. Steven n'est pas du tout dans le match. C'était l'une des meilleures chances hein, de l'USCB pour pouvoir mettre un petit but pour l'honneur. Effectivement, quand on mène comme ça, en général, les défenses se relâchent. On pense qu'à attaquer. Et ça permet à l'adversaire qui est mené de mettre un petit but à contre-cours du jeu. Mais là, je ne sais pas si ça va se produire. Effectivement. Alors le prochain match sera pas le même. Vite.
Mauvais choix. Boulot. Le ballon trop vite du côté de l'USCB, ils n'ont pas posé le ballon. Même que les joueurs de la SS ne font même plus vraiment le pressing. Hein. Maintenant qu'ils mènent, ils ne forcent même plus trop leur talent. Ça se ressent, et pourtant. Le CB ne réussit pas à faire une petite contre-attaque, créer un peu de danger. Thank you.
Comme cela, c'est pas n'importe quel adversaire non plus. Bientôt la fin du temps officiel. Franchement, on pourrait dire que j'aurais donné beaucoup mieux d'être additionnel pour un match comme ça. Yeah.